Attendez, j'augmente un peu le son. Bonjour à tous et bienvenue. Pourquoi je j'ai pas le son? Attendez, j'ai un souci, j'ai pas le son. Vous devez pas avoir le son du jeu. Ça y est, là vous devez entendre le son du jeu, excusez-moi. Voilà. Normalement. Ouais, voilà, vous avez le son du jeu, excusez-moi. Alors, voilà, donc, nouveau let's play, comme je l'avais dit lors d'un dernier épisode de Blizzard of Souls. Voilà, vu que je commence à manquer de contenu, que My Colony, voilà, il y aura encore un épisode qui devrait être tourné, mais pas tout de suite, parce qu'il y a une mise à jour qui a tout fait planter, donc on attend un correctif. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de mes conditions de tournage là avant de commencer ce jeu, donc Thief Simulator, donc simulateur de voleurs. Attendez, je vais juste bouger un peu mon micro. Comment dire? Donc premièrement, j'enregistre au moment où j'enregistre cette série, je sais pas vraiment quand elle sera publiée, mais à mon avis prochainement. On est le 17 avril. Donc on est en période de confinement en France, vu à l'affaire du coronavirus. Je vous dis ça si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, 3 ans, voilà. Donc on est en confinement. Et j'ai un chat qui est malade et que je dois aller surveiller toutes les heures. Donc je couperai toutes les heures de toute façon pour aller m'occuper de ce chat, malheureusement, voilà, qui. Bon, voilà, on. Bon voilà, j'en parle pas plus, mais oh, excusez-moi, le coup de micro. Mais voilà, j'ai un chat en convalescence à côté, donc je dois lui apporter des soins et voilà. Donc voilà pour mes conditions de tournage. Donc c'est pour ça que voilà, il est possible que je doive couper sans voilà comme ça d'une minute à l'autre, juste parce que ben j'entends gratter à côté ou miauler à côté. Voilà, voilà. Et sinon, voilà, donc période de confinement en France. Donc, de toute façon, voilà, je suis relativement chill dans chez moi, mis à part cette histoire de chat. Voilà. Bon, donc voilà pour mes conditions de tournage. Donc, Thief Simulator, un jeu qui me fait de l'œil depuis bien longtemps, que j'ai dans les cartons depuis longtemps, que j'ai acheté sur Steam. Donc, la version 1.42, là, sur laquelle je joue actuellement. Il y a eu beaucoup de correctifs. En vrai, j'ai très peu joué moi-même. J'ai beaucoup regardé des let's play sur internet. Donc, oui, il y a des let's play déjà qui existent sur internet, notamment Bob Lennon. Il me semble que One Kill Studio a fait aussi. Voilà, ils ont fait aussi. Donc, Linguetteracid Acid, ils ont fait aussi un let's play sur ce jeu. Mais voilà, c'est pas parce que les autres le font, des plus gros youtubeurs que moi le font, que moi je vais pas le faire. J'ai envie de m'éclater un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Donc tutoriel, voilà. J'ai normalement réglé mes touches. Le son normalement doit être bon. J'espère qu'il est bon. Je vais quand même couper et vérifier. Parce que. On va juste attendre le chargement. Attendez, non, j'ai quand même, juste par mesure de sécurité, quand même baissé un tout petit peu le volume du système en fait. Parce que je suis absolument pas sûr. Voilà. Et pareil, j'ai toujours l'impression qu'on m'entend peu, mais. Zut, excusez-moi. Non, non, normalement les paramètres sont bons.
It's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Alors, juste avant, est-ce que si j'appuie sur échappe? Oui, sur échappe, je mets en pause. Je vais juste mettre en pause une seconde et regarder et écouter l'audio pour voir si tout se passe bien. Et je reviens vers vous. Bien, bah, je suis de retour, donc le son est parfait. Donc ça, rien à dire. Donc, on va prendre le pied de biche. Alors, pour prendre, je suppose que c'est eux. Ok. Oui, espace. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Donc, j'avais réglé sur tabulation. Voilà. Alors attendez, parce que je suis assez mal placé en fait. Donc ça c'est le tutoriel, on s'en fout. Bon, voilà. Parce que je suis assez mal placé. Je suis plus habitué en fait, à force de jouer à World of Warcraft, j'ai le positionnement des doigts vis-à-vis de World of Warcraft. Et en fait, j'ai un peu de mal à me reprendre sur les... Oula. Ok, elle va pas bouger, elle, visiblement. Je vais mettre dans l'ombre. Bon, on connaît un petit peu, hein, si vous avez regardé. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. D'accord, ok. Donc, beaucoup de choses se font avec eux. Bon, voilà, hein, juste. Ok. Hop. Ouais, donc F pour allumer la torche. Good job. Time to redistribute a little wealth. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Alors, je prends un max pour déjà monter en expérience, hein. Parce que je sais que à chaque fois qu'on va récupérer un nouvel objet, on va gagner en expérience. Donc on... Bon, j'ai peut-être pas assez baissé. Ok, donc là il n'y a rien. Ah, là il y a de la thune. Ok. Donc de toute façon c'est un jeu assez calme, hein. On va pas pas énormément parler. Ça, je sais qu'on peut faire ça. Il y a un pot là. Bon, ouais, je pense que j'ai tout vidé, hein. De toute façon, ici, il me faut le crochetage pour ressortir, donc. Pour ressortir. Ah, non, il y a un truc. Attendez. Ah ok d'accord, il me demande de ressortir par là. Alors je vais peut-être reprendre ma main par contre, voilà. Bon ça va, au niveau... c'est pas aussi galère que je pensais à prendre en main.
Non, attendez, attendez, attendez. Ah là, ok, d'accord. Zut. Au niveau du tutoriel, c'est chiant, par contre. Ok. Ah oui, c'est ça. Ce que j'ai compris. Ok, d'accord, et ça se contrôle comme ça. Donc ça se contrôle avec SQSD et la caméra sert vraiment à bouger la caméra de la tête. Ah d'accord, par contre, vraiment, dès que j'arrête d'appuyer sur Z, l'inertie de la voiture, elle est vraiment quasiment nulle, quoi. C'est-à-dire que dès que j'appuie sur Z, pratiquement en même temps, j'arrête d'accélérer. Enfin, ma voiture s'arrête, quoi. Bah, écoutez, pas mal ça. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Ouais, allez, hop. Attendez, pourquoi il... D'accord, ok, oui, ok, faut que j'avance jusqu'à demain, en fait. On va avancer jusqu'à 1 h du matin. Ah, d'accord, ok. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Tools for Thieves lets you buy new kit online. But here you can buy secrets. Hot tips on what's... Donc ça, bon voilà, c'est pas compliqué. En fait, on achète des Right. informations. Now. On achète des informations sur, voilà, sur les différentes maisons qu'on peut cambrioler. Et on peut acheter aussi pour les carters. On va acheter aussi rapidement. Faut qu'on regarde aussi rapidement. Ces trucs-là, idéalement, faudrait que je les note en fait, histoire de les avoir toujours à portée. Ah, voilà, le pot, je peux le vendre, la théière aussi. Donc ça, je prends un peu d'avance sur le tuto, hein, mais voilà. Ok, et il faut donc que j'améliore en compétences. Et est-ce que je peux l'acheter quand même? Non, je peux pas l'acheter, mais tant que j'ai pas la compétence. Bon, c'est à savoir. Ok. Donc ouais, ici, ce sera les boulots quand on en aura plusieurs. Et ça, je sais pas encore ce que c'est. Hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Donc oui, donc déjà, donc là-bas j'ai un stockage éventuellement, mais voilà, il faut que j'aille au vendeur sur gage. Voilà, au pawn shop. Welcome back. Welcome back. Ah, ok. Allez. It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Ok. Donc c'est au numéro 109, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il faut que je vole la télé. Oui.
Non, 109. Attendez. Allez, c'est ça. On va monter. Attendez. Ce que je peux faire. Là, le truc, c'est que voilà. Wow, wow, wow. Bonjour, monsieur. Voilà, je pense que je vais m'arrêter comme ça. Ok, c'est E pour sortir. Voilà, comme ça. Ah, ok. Faut que je passe par derrière. Ici, j'ai de quoi me planquer si jamais ça tourne en autre boudin. Ouais, de toute façon, ok, faut que je garde la crowbar. Bon, j'ai pas mal de trucs là qui peuvent être repris, mais on va privilégier. Donc j'ai la clé de la maison. Ok, il n'y a rien là-dedans. Encore de la thune ici. Ça je l'ai fait. Est-ce qu'on pique 2-3 trucs avant de piquer la télé? Ouais, allez, y a pas grand chose. C'est juste histoire. Allez, hop. Par contre, on va monter un petit peu. Là. Ok, donc j'aurais su, par contre, j'aurais... Ça va, il n'y a personne à cette heure-ci. Non. Hop. Non. Débilus, allez. Ok, d'accord, il suffit juste de s'approcher. Ok. Encore un truc, peut-être encore un truc. Donc je vais courir un peu, j'y retourne juste pour vérifier. De toute façon, ah bah oui, il y a encore des trucs, il y a encore des trucs. Le frigo, je peux pas l'ouvrir. Je vérifie ici, hein, mais non. Ouvert ça? Oui, je l'ai ouvert. Le plus simple, c'est de tout laisser ouvert, comme ça au moins je vois. Attends, faut que je fasse attention, je suis en plein éclairage là. Alors attendez, je vais juste. Voilà, huile de tuto, donc c'est ok. Mais écoutez, je pense que c'est bon en vrai. Hein. Est-ce qu'on tenterait. Non, on va pas tenter le diable. J'aurais bien tenté la 111 en même temps parce qu'on avait 2-3 infos. Et je pense qu'on va juste rentrer. Aïe aïe aïe. Ok.
difficile à prendre en main là, enfin c'est pas intuitif la conduite. On va tout de suite aller à la boutique de prêteur sur gage. La télé, je sais qu'il faut pas que je la vende. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc apparemment. I see you got my screen. Go to Black Bay. Welcome back. Salut. Alors. Oui, la vieille télé, c'est normal. Hop, ça on s'en fout. Voilà, puis les deux casseroles. Ah non, ok, c'est pas là où je pensais. Ok, tu vois ce qu'il me semblait. Je ne garde, ça veut dire décharge, maison. Ok, d'accord. Donc il y a la décharge. Par contre, la décharge, j'ai jamais vu ce que c'était. Bon, c'était peut-être l'occasion de voir, mais je sais que c'est pour plus tard. Ok. Alors, juste avant, parce que je sais que voilà, il va falloir que. Voilà, ok, c'est une compétence. Et voilà, c'est accrochage. Il me reste 0 points, donc ça, pas de soucis. I set up a. Et donc, la télé, c'est de l'électronique. Hey, good work. Ouais, en fait, je devrais ramener tout mon butin ici avant quand même. Bon, là, c'était sûr qu'il n'y avait rien, mais par exemple, la radio, je sais que si je la chope, faudrait que. Faut pas que j'aille la vendre, en fait, à. Now here, you can find a little extra work. Ah, ok, donc casser la vaisselle chez les Baker, donc ça, voilà. Okay. Pour 50 dollars en plus. J'ai un doute si ça peut casser. Donc j'en ai acheté deux. Il semble que c'est un modèle qui ressemble beaucoup à Skyrim. Donc ça peut casser, il me semble. Bon, on va rapidement aller casser la vaisselle. Ça, c'est juste, voilà, le. Truc en plus, par contre, je crois qu'on est en pleine journée là. Ouais, pas le top du top. C'est là, je me garais là en fait. Es-tu sûr que je peux me garer même? Il n'y avait pas un passage ici derrière là pour eux? J'ai un doute.
Ah non, ok, d'accord. Alors. Ouais, ok. Hop, ok. Ah ok, d'accord. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Ok. Bon après il faudra retourner, mais je pense qu'on va faire le cambriolage à côté. Ça sert à rien de revoler tout ça. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas du pognon quelque part. Hein. Simplement. Y a un mec qui m'a vu sortir de chez. Mais tout va bien. Il a. Il s'est dit, oh, c'est pas grand-chose. Alors. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Faut pas que je traîne ici parce que je sais que ici il y a des habitants. Faut pas que je me fasse griller quoi. Ici il y a une télé. La radio. Il y a la télé et je me. Ah, il y a ça aussi. Oui. Purée, en plus il y a 100 de pognon là. Alors. Là, ça va être la difficulté. C'est ça. Hop. Je peux sortir par là. C'est ça, ok. Donc là, je me retrouve chez le voisin et puis je peux sortir par la voie habituelle. Le seul truc, c'est que là, donc j'ai une télé dans les mains. Ah non, je suis coincé ici. Je peux pas ressortir. J'ai un passant juste qui est juste devant moi là, donc je vais juste attendre qu'il passe.
Je vais le suivre. S'il se retourne, s'il gueule, je. Bon, bah ça s'est passé plutôt tranquille. Ouais, faut peut-être que j'allume le contact. Alors, je sais que si on percute un piéton, c'est game over. Donc, c'est pour ça que je suis assez prudent quand je conduis là, parce que. Le jeu plaisante vraiment pas avec ça. Si on blesse quelqu'un, mais on peut pas mettre un coup de crowbar à quelqu'un ou un truc comme ça. Sinon, c'est game over. Bon. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, ça tendra ça. Bon, j'ai un. Ah d'accord, ok. Donc ça, bon, ok. Donc je vais éviter. Si j'appuie avec les touches directionnelles, je bouge l'écran, je bouge la caméra en fait. Bon. Alors. Casseau à vol ou tableau chez les bakers, ok. Ici, je peux acheter des informations supplémentaires. Mais surtout, voilà, j'ai électronique là. Vérifie dans ce que j'ai si je. Attends, je dis. Hop. Dans les outils. Le crochet pour le niveau 2, c'est le prochain truc. Pareil, ça je crois que c'est. Dans le doute, j'en achète deux parce que je sais pas si c'est. Si ça peut casser ou pas. Et il me fallait autre chose. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je me demandais si je n'achèterais pas. Ça représente un sacré paquet de pognon hein, d'avoir quand même en soi les conseils de sécurité j'en ai pas besoin j'ai besoin de l'habitude des habitants ça c'est sûr il n'y a personne entre 1h et 4h du matin voilà ça c'est intéressant et l'emplacement possible des butins non j'ai. En gros, j'ai 3 minutes pour pouvoir fouiller l'intégralité de la maison, c'est largement suffisant. Ouais, voilà quoi. Non, c'est tout. J'ai juste acheté ça. Décidément. Avec les touches directionnelles, j'ai du mal. Hop. Et c'est ça qu'il faut que je fasse. Et d'accord. Pour le crochet, l'autre crochet, j'ai pas d'entraînement. Bon. Faut que j'aille à.
Quelle heure il est là dans le jeu? Il est 15 h. Ok. Ah! Alors, ça, moi je veux bien, mais ça, c'est un petit souci, c'est que, comme d'habitude. Je n'ai pas de bouton 3 sur ma souris. Parce que je joue au tactile d'ordinateur. Donc je propose qu'on mette ça sur la touche 0. Ah oui, bah, il est logique. Qu'on mette ça, voilà. Ouais, qu'on fasse un clic droit, tout simplement. Et ça ira. Hop. Donc, c'est au 111, hein. Il faut que j'aille. Allez, juste. Ouais, voilà, ok. Ce sont les habitudes des habitants. Ouais, voilà, c'est ça. C'est là-dessus que j'aurais aimé m'entraîner. Malheureusement, j'ai pas pu. L'inertie de la voiture, elle est assez difficile à prendre en main. Mais ça reste plus jouable qu'un jeu Ubisoft. Ah, attendez, voilà. Là, j'ai un parking. Non, c'est pas ça. Si, 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 c'est ça. J'ai un parking. Donc là, il faut que. Donc, bon, bah, j'ai passé une grosse partie de la journée, mais il faut que. Voilà, hop. Ouais, ok. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Donc. Donc c'est ça. Donc il faut que je dorme encore quoi, 1 heure dans la voiture, c'est ça? Non, il est encore là. Ça va passer de combien? Non, d'accord, ok. Alors. Ok, d'accord, c'est comme ça que je peux. Ok, c'est à partir de 9 h, ok. Donc il faut que je revienne vers 9 h. C'est un peu ridicule, disait le. Le mec, qui regarde par-dessus ta clôture et tout, et puis. Bon, allez, j'ai peu de temps.
Ok, ça rentre direct. Et alors, voilà, faut toujours que j'ai l'œil à droite, en fait. Ouais, on peut reprendre la radio si on veut. Hop. C'est tout ce qu'il y a. Bon. Il n'y a même plus de télé. Si le... Non, plus rien là-dedans non plus. Ok. Je vais attendre parce que j'ai un passant qui est juste là. Voilà. Passer rapidement à la maison d'à côté. J'ai essayé de les enchaîner un petit peu. Ah oui, c'est vrai. Y avait ça aussi. Il y avait ça aussi. Ah, ma voiture est loin. J'ai ramené ma voiture ici. Alors je sais pas ce que ça fait si on percute une voiture, si c'est juste des dommages ou si on provoque un accident et donc il faut... Alors je tente le... Ouais, je tente le coup. Allez, hop, mince. Alors tant pis, je vais gêner un tout petit peu le passage. Et j'essaie de faire vite. Ok. Parce que le problème, c'est si je gêne la circulation des gens. Voilà, bon, j'ai eu 1 $ de coût de réparation, c'est trop pour rien ça. Comment j'échappe? Ah! Oh putain, je sais pas comment j'échappe. Aïe aïe aïe. Non, attends. Oh, c'est pas vrai. Mais comment il m'a détecté? Enfin, normalement, voilà, je me suis mis à la poubelle, point, quoi. Bon, ok. Bon, bah, je me suis fait avoir pour la première fois. Mais j'ai le tableau, j'ai tout. Merde. Non mais en plus c'est idiot, enfin c'est...
Attendez. J'ai un peu paniqué parce que le truc c'est que j'ai pas su comment échapper en fait, abandonner le crochetage en fait. C'est très idiot. Très très idiot. Et le truc c'est... Bon, il me reste encore mes deux DIY. Donc ça c'est pas... Ok, c'est quand je suis sorti de la voiture, ça a sauvegardé. Donc, bon. On va rentrer à l'ancienne. Merde, t'es con. Bon. J'aurais peut-être dû essayer de me barrer à pattes quand... Mais bon. C'est vraiment le truc con. Je vais essayer, comment dire, dans à la maison de. Bah dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Là, attendez, course pour ces côtes-là. Ouais. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Est-ce que j'ai récupéré des trucs susceptibles d'intéresser? Par exemple, la peinture en question là, non? Il y a un vieux grille-pain là. Hop. Ouais, il y a le carton. The Lombardis think their friend on Greenview needs a new window, but they think the one they got's fine. Go prove them wrong. Ok. Oui, donc je vais tester ça. Comment je peux quitter avec eux? Ok. Non, ben voilà, c'est cette histoire de d'être sûr. C'est une chaudière au fioul, ça. Ça ressemble à une vieille chaudière au fioul.
On va aller vider notre inventaire rapidement. Welcome back. Welcome back. Oui, donc le tableau en soi, voilà, il est pas. Hop. Hey, presque 500 dollars sur nous déjà. Pas trop mal. Attendez, attendez, attendez. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ce qu'il y a dans la voiture, c'est pas pris en compte. Hop là, les 500, on les a. C'est un peu con ce qu'il y a dans le coffre, c'est tenu en compte, mais pas le. Mais pas ce qu'il y a dans la boîte. Je suis un peu idiot. Bon alors, 112. 112, ok, d'accord, c'est là-bas. Wow, j'arrive un peu vite. Je regardais le GPS en fait, c'est pour ça que je. On va peut-être refaire les trois maisons après, easy là. Ça après c'est ça, hein, ça va être du grind, du grind. Pour le grind, je mettrais certainement en accéléré. Où est-ce que je peux me garer là? Tu sais, si je me gare en face. Bref. En soi, là, j'aime personne. Je me garer là. Normalement, je gêne personne. Alors, la question c'est pour la fuite. Est-ce que j'ai les habitudes des. J'ai pas les habitudes des gens ici. Voilà, facile. Ah, ça y est. Alors, comment ça fonctionne ça? Ok, donc avec la souris déjà je peux bouger légèrement. Attendez, c'est quoi ce truc? Ok. Ok, c'est méga long. Ok, alors j'explique un petit peu. Donc avec Q et D, je peux changer. En appuyant sur S, j'appuie plus ou moins fort. Et quand c'est en bas, je dois cliquer en fait. If it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke. Bon,
Je me réentraîner là-dessus. Je veux me réentraîner parce que faut. Bon, ok. Ça devrait le faire. C'est pas si intuitif que ça, mais ça va le faire. N'y a pas le petit boulot. Je vais acheter les habitudes des habitants. J'ai acheté ces conseils de sécurité, c'est pas pour ce que ça coûte. Les coupes vertes, faut du crochetage niveau 4. J'en suis au niveau de mes. J'y arrivais, mes compétences. Ah, il manque pas grand chose pour arriver niveau 3. Ce sera le. De toute façon, le. Le niveau 2 que je débloquerai, ça c'est sûr. Je l'ai pas déjà. Si, je l'ai déjà en fait. Ce sera le niveau 3, je veux dire. Il faut que je. Ah non, faut le niveau 6. Ah, l'estimation, hein. Ça il me le faudra. Donc je prendrai l'estimation. C'est ce qui permettra d'améliorer le grind. Bah écoutez, ça fait 58 minutes qu'on tourne, donc je pense qu'on est à la fin d'un épisode. Ou que la coupure là, elle va se faire. Pendant la fin. Donc 113, hein.